Tu vas descendre là ? Donne-moi juste. En fait, viens. Viens qu'on parte. Je veux juste faire un peu de maquillage pour être plus belle pour toi. Je sais. Vas-y, je t'attends juste ici. Si je pars avec toi, tu vas te sentir trop à l'aise. Avant de sortir, tu vas mettre ton fond de teint, mettre le rouge à lèvres. Je ne vais pas perdre du temps. J'insiste. Allons-y. Mais, s'il te plaît, sinon je vais à l'intérieur et je ne reviens plus. Mais non, non. Tu ne veux pas que nous partions ensemble. Ok, on ira ensemble. On ira ensemble. Tu veux toujours en faire à ta tête. Mais faut, Guano. Si on le fait pas ta façon, on ne le fait pas. Tu veux que nous le fassions en ta manière. Bien sûr, certaines fois. Mais c'est parce que je t'aime. Garde la moto qu'on parte. C'est bon. C'est bon, on y va. C'est juste parce que je t'aime. Sinon, on ne l'aurait pas fait. C'est pas ta sœur au logis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous venez de vous croiser, pas de salutations, rien. Ah, s'il te plaît, ne parlons pas d'elle. Guéné. Hey, ma chérie. C'est bon, te fâche pas. On va passer toute la journée, hein. Tu veux encore en rajouter? Mais oui, c'est pas assez. Et comment tu feras pour enlever tout ça? Qu'est-ce que ça fait? Dépêche-toi. Allez où? Amaka. Allez où? Qu'est-ce que tu dis? Amaka. Ta mère t'appelle. Bon après-midi. Mais non. Tu veux qu'elle sache que nous sommes là? Amaka. Je t'entends murmurer de là-bas. Et cette voix n'est pas celle de ton frère. Qui est-ce? Mon fils? Qui es-tu? Réponds-lui. Nao. Na. Ah, que veux-tu Amaka? Faire? Mais tais-toi. Ta mère a besoin de toi. Amaka, je peux t'entendre. Mais où est-ce que tu vas? T'es amenée ici pour que tu traites avec cette vieille aveugle? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais n'essaie Amaka. Pas de m'énerver. Maman. Maman, tout va bien? Edou. Tu es de retour? Oui, maman. Edou. Maman. Amaka n'est-elle pas là? Elle est juste parce là. Parce que j'entends sa voix et la voix d'un homme. Et je sais qu'elle n'est pas la tienne. Qui est cette personne? J'ai entendu la voix d'un homme. Oh, maman. Hein? Maman, tu sais, tu es têtue. Je t'ai demandé de rester dans ta chambre et de te reposer. Je suis là pour toi. Hein? Alors, dis-moi pourquoi tu es sortie. Tu sais bien que c'est pour toi que je rentre aussitôt. Mais ce pourquoi n'est pas censé être comme Tinedo. Hein? N'est-ce pas moi qui l'ai enfanté? N'est-il pas mon enfant? Ou alors maman, j'ai mal fait de l'accoucher? Laisse tomber, Amaka. Amaka, ça va, n'est-ce pas? Tu ne veux pas aider ta mère. Tu es là, mais elle crie. À cause de ce bouc avec qui tu es. Devant lui, tu négliges et maltraites ta mère. Et derrière toi, Ediki, tu es content, n'est-ce pas? Tu es content de ce que tu appelles ta petite amie. Ta malchanceuse petite amie, dont tu n'as même pas payé la dot. Tu la regardes insultée et ignorée. Je t'avertis, je ne veux pas entendre mon nom dans ta stupide bouche. Aïe. Retiens ta langue. Aïe. Laisse-moi tranquille, retiens ta langue. Donc ma bouche est stupide, c'est d'accord. J'arrive, hein. J'arrive. Amaka. Un moment, ne t'en fais pas. Non, elle est là. Amaka. Elle est avec son petit ami. Amaka. Hey. Qu'elle le fasse elle-même, je m'en fous. S'il te plaît, ne sors pas. Non, je ne sors pas, je veux juste verser quelque chose. Où vas-tu verser cela? Je veux juste verser quelque chose. Et vous deux, toi, aïe et toi. C'est quoi ton problème? Vous êtes encore là? Ok, non, attendez. Regarde, attendez, ne partez pas. Tinedo. Attendez-moi, j'arrive. Aïe! Non, ne courez pas, venez ici. Venez ici. Ewa! Non, attendez-moi, où sont-ils? Pourquoi vous enfuyez? Tinedo! Tinedo, reviens ici. Tinedo! Tinedo! Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi tu l'appelles? Pourquoi? Pourquoi? N'es-tu pas contente maintenant? Tu dois danser car tes enfants sont entretus. Hein? Oluchi, Wam. Oluchi. Oluchi, pourquoi est-ce que tu me blâmes? Mais que t'ai-je fait? Pourquoi est-ce que tu me blâmes pour ça? Qu'ai-je fait? Hey, tu me Oluchi. Le demandes? Ah. Une vieille sorcière comme toi, tu me le demandes? Que diable n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait? Mourir, tu ne meurs pas. Tu veux juste rester en vie et créer de la douleur partout où tu vas. Oh, Luti, tu m'appelles sorcière. Je suis une sorcière, oh, vieille sorcière. Oh, Luti, je suis ta mère. Oh, Luti. Oh, Luti, tu parles à ta mère. Quelle mère? Maman, qu'y a-t-il? Oh, Luti. Ça va. Oh, Luti m'a appelé sorcière. Maman, ça va. Il est doux. Oh, Luti t'a appelé sorcière? Elle m'a appelé sorcière. Maman, ça va, ça va, ça va. Tinedo, Tinedo, c'est moi, maman, c'est moi, c'est... maman, maman, c'est bon. Ça va, maman, ça va. Cesse de pleurer. Que veux-tu manger? Tinedo, hein? Luti m'a appelé sorcière. Ok, je m'en vais préparer ton repas. Tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'as apporté, t'inquiète pas, je maman. Vais manger. Oluchi! Oluchi, comment oses-tu traiter ma mère? Je sorcière. Amaka, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi tu m'as l'air mouillée? Jane, s'il te plaît, allons chez toi, je dois me changer. Il faut que je mette autre chose, s'il te plaît. Regarde, tu te rends compte? Amaka, je ne pense pas qu'il y ait un truc à la maison qui ne soit lavé. Je viens de faire ma lessive. Raison pour laquelle je cherche quelque chose à manger. Tu as lavé tous tes vêtements une fois? Même le pain? Hein, je dois mettre autre chose. Regarde comment je suis mouillée. Amaka, ok, allons à la maison. Je vais voir si je peux te trouver quelque chose à te mettre. Tu as bagarré avec ton frère aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok, Retinedou. Ce que je vais lui faire, il ne comprendra pas sa tête. Amaka. Il ne comprendra rien. Ce que je ne comprends pas, c'est que tes frères se bagarrent jour et nuit. Amaka, il s'agit de ton frère aîné. Je veux dire, tu dois l'aimer et le respecter en retour. Il va t'aimer et te protéger, hey Jane, Amaka. Je t'en prie, arrête. Arrête avec tes sermons de ce soir. J'ai pas de temps pour ça. Amaka. Je veux plutôt un habit de rechange. Amaka. Baibendu. Manaka monakinchi. Baibendu. Oh! Ay mana go ba gama genetia abimendu wa abimendu ba gana menemchi abibendu agana ma menechi kai binemendu wa kai binemendu ba gana genetia kai binemendu ay gama gana menemchi kai binemendu wa Kai bidi bendu, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème maintenant? C'est de le passage! J'ai dit c'est de le passage! Vous prenez pour qui? Hein? Ah, oh, ok. Ça va. Aïe, Billy Bendu. Je marche et tu m'empêches de passer. C'est quoi ton problème? Aïe, Billy Bendu. Abibendu, ma gamin, tu me tues. Je préfère partir sans te faire de mal. Abibendu, ma gamin, tu me tues.
Aïe, Billy Bendou. La vie. La vie est sans plaisir. Et comme un véhicule sans moteur. Oui. Et un plaisir sans alcool. Et comme une soupe sans sel. C'est quoi le problème? Ça, c'est le chemin de ma maison. Billy Bendou. Abidendo, mamamento, metio. Abiribendo. Gabina, gameti. Gabiribendo. Abidendo, vagamegi, getio. Abiribendo. Oh, gabina, gameti. Ai. Amaka. Merci beaucoup. Attends un peu. Alors, où vas-tu maintenant? À la maison, je suppose. Pour continuer les bagarres quotidiennes avec ton frère. Ah, non, je m'en vais chercher mon étiquet. Je dois le supplier et lui dire désolé pour la honte que Chinedu lui a infligée. Tu te rends compte? Amaka, quand tu rentres, ignore Chinedu. Hein? Ignore Chinedu. Calme-toi, Amaka, attends. Fais comme s'il n'existait pas. Ok. N'oublie pas. Le silence est le meilleur remède pour les insensés. C'est faux. Je me suis tue pendant longtemps. Amaka! Ce que je vais lui faire, ce qui va lui arriver, il ne verra pas Amaka. Venir. Non, laisse-moi aller finir avec mon Ijikeo. Je ne m'en vais affronter silence. Personne. J'aime bien la paix. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, parce que tu es trop bon pour moi. Oh mon Dieu. Maman, le repas est prêt. Tu es bon pour moi. Maman. Tinez. Le repas est prêt. Tu es bon, tu es grand Seigneur. Maman, tu je vais te nourrir. D'accord. Éternel, oh mon Dieu, tu es grand. Maman, on prie. Où est la nourriture? C'est là, prie, prie juste. Au nom de Jésus. Amen. Bénis ce repas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme nous mangeons en santé au nom puissant Amen. De Jésus-Christ. Amen. Prière scellée. Amen. As-tu déjà mangé? Maman, j'ai déjà mangé. Je vais encore manger s'il en reste. Que Dieu te bénisse, ok? Que Dieu te bénisse pour moi. Chinedu, est-ce ton père? Oui, maman. Il va bien? Ton père, il va bien? Je reviens, maman. Je vais faire rentrer, papa. Pourquoi est-ce que tu le fais entrer? Non, il veut entrer. Chinedu, ton père va bien? Tout va bien, maman. Lève-toi, papa. Vas-y, lève-toi. Ça ne va pas, Léo. Ça ne va pas du tout aller. Il ne va pas. Olouchi. Sorcière, n'appelle plus mon nom. Olouchi. Je suis désolée pour toi, mais n'ose plus jamais appeler mon nom. C'est une sorcière. Olouchi. Olouchi. Sorcière, arrête de m'appeler.
Tu es là au lieu de ton père, tu te mets à rire. Hein? Quel père? Laisse-moi tranquille, oh. Laisse-moi tranquille. Bon Samaritain. Avec son ventre rempli d'air. Ton père va bien. Chinedu. Maman. Ton père va bien. Maman, il va bien, il va bien. Femme sorcière. Que fais-tu là? Non, je veux savoir. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi là maintenant? Pardon? Ediké? Tu as cette attitude à cause de ce que mon frère t'a fait? Tu fuis là où tu dois tenir et lutter. Tu dis que tu m'aimes. Mais tu n'as pas pu me protéger et me défendre. Pourquoi? Écoute, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tout le monde dans ce village sait combien je t'aime. Après avoir vu ce que tu as fait à ta mère plus tôt, je suis désolé. Je ne peux pas être avec une femme aussi cruelle et aussi méchante que toi. T'es méchante. Je ne peux pas être avec une femme comme toi. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est terminé entre toi et moi. Non, c'est fini non. Entre toi et moi. Il n'y a plus rien qui nous lie. S'il te plaît, tu me laisses tranquille. Ne viens plus chez moi. Ne dis pas ça. Je ne peux pas prendre soin de ta mère. Comment tu vas prendre soin de moi alors? Comment tu vas prendre soin de mes enfants? Ma propre mère. Les membres de ma famille, mes oncles, comment? Dis-moi, je ne veux pas perdre patience. Et je ne veux pas qu'on m'accuse d'avoir les mains sur une femme. Pas... Quitte cet endroit maintenant. Tu veux dire ta communauté, toute ta communauté. Je suis désolée, non? Je suis désolée. Dégage de chez moi! Foutaise. Akwam nebe. Metsune inegwe, one wamo, one sone gwe na bogwe, shibabo imo, akwa na birisurwe. Ekwesu, Monica Mwesu, où êtes-vous? Ah, vous voyez ce que vous avez fait? Vous avez vu? Ejike me déteste maintenant à cause de vous. Amaka, hein? Amaka. Amaka, qui est Ejike? Et qu'ai-je fait pour qu'il te déteste? Tu parles encore? Tu es pendant qu'il te plaît, tu vois? Tu as le courage? Attends, va, je vais te montrer aujourd'hui. Si tu continues, je te frappe avec cette canne. Tu veux l'appeler? Tu veux l'appeler? Hé, hé! Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille! Viens ici! Tinetou! Viens, viens! N'importe quoi. Avec ces saintes tortues, mon fils. Tu veux venir tuer ma mère? Tinetou, oh mon fils! Ça va aller. Désolé, désolé, maman. Tinetou! Assieds-toi, maman. Désolé. Tinetou! Assieds-toi. Amaka, mon enfant m'a jeté par terre. Désolé. Ça va aller, désolé. Calme-toi. Calme-toi. Essaye encore ces bêtises. Essaye-les encore. Oh, et on verra si je ne supplierai pas ces vieux rats. N'importe quoi. Maman, désolé. Maman, désolé. Oh, Seigneur. Regarde, cette. Maman, désolé. Tinetou. Ne fais pas me sentir mal. Tinetou, j'ai l'impression que tu as un problème avec tes oreilles. Tiens-les bien. Combien de fois t'ai-je prévenu de ne plus lever tes mains sur ta sœur? Tu refuses de comprendre. C'est simplement parce qu'elle a refusé d'aider ta misérable mère. Et tu veux tirer? Tu veux tirer ma charmante fille à subir la malédiction de ta mère? Papa, des fois tu me surprends vraiment. Tu me surprends par la façon dont tu parles de maman. Tu lui parles comme si elle n'était pas ta femme. Hein? Tu me fais juste. Parfois je commence à me demander si nous sommes vraiment tes enfants. Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler, Tinetou? Tu ne vois pas à quel point tu es stupide? Tu ne vois pas? Tu prends de la drogue? Maintenant, tu m'écoutes. Que le ciel m'en soit témoin. Le jour que je reçois encore une telle plainte à ton sujet, comment on va vous méconnaître? Vous serez tous deux perdus. Parce que ta mère et toi, je veux vous faire votre fête et vous foutre de cette maison.
Vous aurez continué vos conspirations hors de cette maison. Mathieu. Mathieu, c'est moi que t'es en train de maudire. Femme, ferme ta bouche. Tais-toi. Ferme-la ou alors je t'aiderai à la fermer. Non, mais... Maman, lève-toi à l'intérieur. Allez où? Non, mais que veux-tu faire? Me tourner le dos? Quand je te parle? Non, mais papa, où veux-tu l'amener? Papa, dis-moi, que veux-tu de nous? Que d'autre veux-tu de nous? Je veux que tu t'excuses auprès de tes sœurs. Demandez pardon. Demandez pardon, ma charmante fille, pour avoir abîmé son beau visage. Oui. Moi, lui demander pardon. Pas tant que je serai en vie, papa. Ah. Va le faire tout de suite. Je m'excuse. Laisse-moi tranquille, maman, hein? Laisse-moi tranquille. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Ok. Maman. Papa, est-ce que tu vas le mépris? Je viens de te demander de t'excuser. Aucun respect. Pas de respect pour ton père. Maman. Pour ton père. Si tu veux. T'es vaurien. Ah, laisse-moi. Laisse, va à l'intérieur. Viens encore me toucher. Je dois bien m'excuser. Laisse-moi continue à les suivre. Ne t'en fais pas. Continue à suivre votre père qui vous saoule la gueule. Ne t'inquiète pas. Elle frappe la chaise et non toi. Laisse s'en aller. Une bande de méchants. De simples excuses, tu ne peux pas t'excuser. Irrespectueux. Écoute, ne t'inquiète pas, vous êtes juste les soulards. Je vais les vendre. Vous parlez comme des soulards. Les soulards. Je vais les vendre. Édiqué, j'ai été mise au courant de la rupture avec Amata. Et c'était juste désolant et embarrassant. Pourquoi Shinedo te verserait de l'eau juste parce que tu rends visite à sa sœur? C'est tout ce qu'elle t'a dit? Oui, c'est tout ce qu'elle a pu me dire. Il y a beaucoup à raconter. Tu vois ce Shinedo? Shinedo, c'est un gars super bien. C'est une très bonne personne. Et ton ami, cette fille, c'est le vrai diable. Elle n'est pas appelée à être une femme. Elle n'est pas une femme mariable. Cette fille est tellement méchante, tellement cruelle avec sa propre mère. Comment elle fait ça? Et je me suis posé la question, si elle est si méchante avec sa mère biologique, combien de fois moi? Qu'en sera-t-il de moi? Elle va me tuer simplement. Si c'est pour son mauvais caractère vers ses parents, je suis fatiguée. Pardon. Je ne sais pas pourquoi elle les déteste avec autant de passion. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, elle peut détester ses parents, ça l'enchante. Mais le fait est que c'est terminé entre elle et moi. Non. C'est terminé. T'as qu'à lui passer le message, je ne suis plus intéressée par elle. Elle et moi, c'est terminé. Non, c'est terminé. Nous n'en sommes pas encore là. Eh bien, nous y sommes. Non, c'est arrivé à ce point. C'est arrivé à ce point et plus. S'il te plaît. Je dois sauver ma vie. Calme-toi. J'en ai terminé. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Pardon, calme-toi. Nedo, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air triste. Qu'y a-t-il? Hein? Je vais bien. Je suis OK. Tu ne l'es pas. Tu ne vas pas bien, mais tu le sais. Que se passe-t-il? Je vais bien. Désolé de ne pas être venu comme promis. Vraiment désolé. Ça va. Mais mon amour ne l'est pas. Et ça me joue des tours. C'est que je ne comprends pas ma famille. Et Dieu m'en demande beaucoup. La haine et la pauvreté dans ma famille. Et je ne comprends pas pourquoi on ne s'aime pas les uns les autres. On se fait toujours des histoires. Je te déteste. Non. Je te déteste, c'est un bien piètre mot. Je te déteste. Je déteste le jour où tu as été créé. Je déteste le jour où je t'ai rencontré. Je déteste absolument tout sur toi. Sorcière, je te déteste. Sorcière. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que tu as dit. Vas-y, parle, je t'écoute. Mon époux. Où est-ce que je me suis trompée, mon mari? Moi, ton époux? Oui. Qu'ai-je fait pour mériter ce traitement? C'est la femme que tu as une fois aimée dans ta vie. Mon mari, dis-moi, qu'ai-je fait pour que je puisse te demander? Non, je refuse, non! Écoute, ne va pas là! Le pardon est une chose à part! Le pardon est un crime, une abomination! Le pardon est une chose à part. Ne va même pas là. Du tout. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai dit que je te déteste. Je déteste tout ce qui te concerne. Je n'accorderai aucun pardon. Non. De toute ta vie, il n'y a rien que tu puisses faire. Rien. Pour apaiser mon esprit. Rien que tu ne puisses faire pour apaiser mon cœur. Rien. Je t'aime. Non, il n'est pas question d'amour. Écoute, tout le mal que tu as eu à faire, remercie Dieu que tu sois encore en vie. Il y a
des expériences par lesquelles tu devras passer. Tu n'es pas seulement méchante. Tu es démoniaque. Tu es plus que démoniaque. Tu es pire que le mal dans tout l'univers. Toi. Qu'est-ce que j'ai fait, s'il te plaît, Simon? Rends grâce à Dieu parce que tu vis les expériences que tu mérites. Tu récoltes ce que tu as semé. Tout le mal, tout le tort que tu as causé dans ce monde, dans la vie des autres, tu récoltes ce que tu as semé. Tu le payes. Tu en profites parce que c'est ce qui te sied. Sorcière. Mon époux. Qui est-ce? Tu es ma couronne. Je ne le suis pas. Je t'aime. Hey, mais qui? Arrête de dire des choses comme ça dans ta bouche. Je t'aime, je t'aime. Mais aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. Dois-je aimer un diable? Je n'aime pas les diables. J'aime mon les êtres humains. S'il te plaît, pardonne-moi. J'aime les êtres humains. Et non les démons. Pardonne-moi, mon époux. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mes parents, je ne comprends pas. Je veux dire, il n'y a jamais eu de paix entre mon père et ma mère. Il n'y a rien, et nous les enfants, nous continuons à nous détester. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de joie dans ma famille. Ça va aller. Je sais que ce n'est pas facile. Mais crois-moi, tu t'en sors et tu le fais bien. Tu n'es pas comme ton père et tes sœurs qui s'en foutent de la maladie de maman. Toi, tu en prends soin. Cela te rend différent. Ok? Ouais. Mais je sais que quelque chose de mauvais va arriver à ma famille. Quelque chose de vraiment mauvais. Je ne sais juste pas ce que c'est, mais je sais que d'ici peu, quelque chose va se passer. Quelque chose de mauvais va arriver à ma famille. Je le sais. Ça va. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre, ok? Ça va, calme-toi juste. Je l'espère. Amaka, pourquoi as-tu fait ça en présence d'Edike? Pourquoi n'as-tu pas caché cette stupide attitude qui est la tienne? De tous les hommes avec lesquels tu es sortie, Amaka, personne n'est resté et maintenant Edike aussi planifie de te quitter. Quitter qui? Ah, Edike ne ferait pas une pareille chose. Il a juste besoin de se calmer. Il ne peut pas le faire. Tu ne sais pas ce qu'un homme est capable de faire. Surtout quand il découvre de pareils comportements chez la femme qu'il essaie d'aimer, Amaka. Essayer d'aimer? Quelque chose ne va pas chez toi. Edike n'essaye pas de m'aimer. Il m'aime vraiment. Et tu sais quoi? Je l'ai dans ma paume de main. Réveille-toi! Tu ne connais pas le cœur d'un homme. Tu peux penser ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. Mon ami, y a-t-il à manger? J'ai faim. Va à la cuisine. Tu connais le chemin. Laisse tomber cette affaire. Allons-y juste. Va à la cuisine. Mais où est la nourriture dont tu parles? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Et qu'est-ce que tu veux? Arrête ce sourire démoniaque. T'as besoin de faire ça. Je veux que tu le maintiennes avec toi. Tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu veux? Pourquoi as-tu ce temps? C'est à cause de ce qui s'est passé hier? T'aurais dû déjà oublier. C'est à cause de ce qui s'est passé hier. C'est à cause de ce qui s'est passé... Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Attends, est-ce que je... Tu traites ta mère de cette façon, si tu peux être aussi dur envers ta mère et cruel avec ta propre... Écoute, je ne peux pas être avec une femme comme toi. Et je me demande si tu peux traiter ta propre mère de cette façon. Comment vas-tu me traiter, moi qui suis un étranger? Voyons, tu n'es pas un étranger. Tu es l'amour de ma vie et je t'aime tellement. Et pour ma folle de mère, elle mérite tout ce que je lui fais et plus. J'essaie de comprendre ce qui se passe là. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Tu as encore appelé ta mère une folle. Ta propre mère. D'accord. Je suis peut-être un peu dur. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi détestes-tu ta mère autant? Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Je sais juste que je la déteste. Je la déteste et tous les autres. Chacun d'entre eux. Mais tu n'en fais pas partie.
T'es mon amour, mon bébé. Ouais, t'as raison, t'as vraiment raison. Tourne-toi, tourne-toi. Maintenant, dégage de chez moi. Dégage, t'es juste en train de me dégoûter là maintenant. Fous le camp de chez moi, je veux que tu saches que c'est terminé entre toi et Voyons, moi. Voyons, désolé. Fous le camp, sors de Ça chez moi. Ça suffit. Je plaisante pas. Si tu peux être autant dur avec ta mère. Dégage. Je t'en prie. Fous le camp. C'est... Je veux plus te voir. Je veux plus te voir ici. Sorcière. Non, mais tu t'imagines avoir ce genre de fille pour femme? À quoi si gagne ni doulou? Oh oh! Mais quel monde! Mon mari, c'est toi? Oh! Ne peux-tu pas faire une erreur pour une fois dans ta vie? Fais semblant de ne pas être capable d'identifier ma voix. Es-tu obligé de la reconnaître? C'est quoi ton problème? Viens, mon sorcière. S'il te plaît, ne sois pas fâchée. Oh. Je le suis. J'ai très faim. J'ai besoin de manger. Oh, tu veux manger? Tu veux que je te donne à manger? Que le tonnerre te frappe là où tu es. Tu me demandes à manger. Oh, oh, oh. Nous sommes mariés. Toi et qui? Toi et qui? Tu veux faire la sorcellerie avec moi? Moi? Non, ce n'est pas possible. Alors, si t'es envoyé vers moi, retourne leur dire que tu ne m'as pas vu. Ne pouvez-vous pas ces deux fous ferme ta bouche, et laisser les gens tranquilles? Dis-leur que tu ne m'as pas vu pour venir m'initier. Ne pouvez-vous pas vous taire pour une fois pour qu'on soit en paix dans cette maison? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Si tu dis un mot, juste un mot de plus, et je vais t'administrer une gifle que tu n'oublieras pas. Pardon? Tu m'as très bien entendu, fils stupide, pauvre idiote. Tu ne peux le faire. C'est mieux d'être une sale vergogne que d'être un pitoyable ivrogne. Je dis, si tu dis encore à moi, Que peux-tu faire? Non, que peux-tu faire? Arrêtez. Je vais la fermer. Enlève cette chose devant moi. Oh. Arrêtez ça. Vous ferez mieux d'arrêter ça. Je vais te faire mal. Je vais te faire du mal. Arrête pas, je t'avertis. Fais très attention que ce ne soit pas que j'ai tué un vieil homme. Hamaka, arrête ça. Arrête ça. Et toi, dégage d'ici. Et que ta sorcière et de mauvaises personnes autour de moi. Mon mari Bikunu. Je m'appelle plus qui est ton époux. J'ose m'appeler ton époux. N'importe quoi. Tu penses que tu peux me voir? Ton plan est échoué. Chimo. Dégage de mon chemin. Si tu ne quittes pas sur mon passage, je vais te tuer. Mauvaise personne. De mauvaises personnes, voilà ce que vous êtes. Recule avec ton ventre vide. Vous êtes toute une unité de méchants. Que de méchants. Vous êtes qu'une bande de méchants. Amaka, qui est-ce? Oluti! Ma sœur, je t'ai acheté un truc en rentrant hier. Comme tu dormais, alors j'ai décidé de le garder. Qu'est-ce que c'est? Ah, tes préférés. De la viande? Hey! J'espère que tu vas aimer. Hey, j'apprécie. Tu ne l'as pas empoisonné? Ok, donne-les-moi. Hey! Ne te fâche pas. Ne sois pas en colère. Ma chère sœur... Merci. Goûte-moi un peu. Te donner quoi? Ah! N'as-tu pas mangé pour toi la nuit dernière? Mais nous sommes en nouveau jour, non? Si à ton bébé que je le donne, hein? Si à vous lui deux, que je le donne. Hé! Lorsque vous finissez, rangez ces choses et gardez-les Quand à l'intérieur. Je ne veux pas venir les retrouver. Et toi, comme tu es jaune, tu portes la bassine jaune. Toi, noir, tu portes le caillou. Vous les mettez à l'intérieur avant que Portez quoi avec mon gros ventre? Il a mal parce qu'il Quel ventre? Ce ballon vide que tu appelles ventre. Rassurez-vous d'entrer avec Vas-y, tu reviendras me trouver. Tu as allé voler de la viande. Et vous l'avez emballée pour dire que vous l'avez achetée. Achetée quelle viande? Que veux-tu? Ventre pompé. Mais quoi?
Celui-ci veut déjà... Il est presque bon. Désolée. Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est bon. Non, oh, ce repas est bon. Hein? Donc, vous mangez sans me demander de venir me joindre à vous. En tant que qui? Nous devons t'appeler. Sommes-nous tes femmes? S'il te plaît, va te chercher quelque chose à boire. Tout le temps, tu montes, tu descends. Cherchons qui est accusé de t'avoir provoqué. Laisse-nous tranquille, oh. Est-ce à moi que vous vous adressez? Je veux dire, c'est à moi que vous parlez de cette façon. C'est à moi que vous parlez comme ça. Quelle manière? Comment sommes-nous supposés de parler? Non, attends. Votre Majesté. Oui. Nous sommes vraiment désolés. Oui. De ne vous avoir pas invité à manger. Bien dit. Laisse-moi t'aider, ma soeur. Isiofia. Laisse-moi t'aider. Notre Majesté, nous sommes vraiment désolés que cette nourriture ne soit pas à votre niveau. Donc, utilise tes mains et va te faire à manger. Regardez-vous. Non, mais regardez-vous. Hey. Vraiment, regardez-vous. Vous n'avez pas honte de vous, mais regardez, vous êtes de mauvaises personnes. Sorcières, de vraies sorcières. Ha. N'importe quoi. Sorcières, vous êtes vraiment méchantes. C'est ton problème, Jerry. Mangez votre nourriture mal cuisinée, bande de sorcières. Foulard. Aussi, Amy. Bande de méchantes. Allez, viens, viens manger. Pareil pour toi. Désolée. Bando, tu reviens, non? Fais-moi boire, fais-moi boire. Mange. Tu es ma soeur aujourd'hui. Allez, mange, mange. Regarde. Regarde. Ah, tous ces gens qui refusent que je coupe cet arbre. Tout le monde dit la semaine prochaine, la semaine prochaine. Ah, comment maman va survivre? Qu'est-ce que maman va manger? Qui va me donner de l'argent pour que je puisse faire le nettoyage? Ou racler les terres? Hein? Il me faut de l'argent pour qu'en rentrant, je lui achète au moins du pain. Hein? Ha! Chinedu, que vas-tu faire avec toutes ces noix? Hein? Je peux les manger, mais maman, non. Est-ce que c'est même bon? Ça a de l'huile. À qui a-t-on donné ce terrain de nettoyer?
je rate celui-ci. Et apparemment, la personne a même mal travaillé. J'aurais pu mieux le faire si c'était moi. Hein? Pas de boulot. Rien, rien. Mon époux. Mon époux. Mon époux. Mon époux. Oh. Mon époux. Qui est-ce? Ah, je savais que tu étais là. Hein? Mon mari. Que veux-tu encore? Pourquoi qu'est-ce tu que comptes? Tu veux? Tu es toujours de mauvais poil. Pourquoi est-ce que tu es de mauvaise humeur? Ne peux-tu pas... Je suis surtout pas à cuisiner. Pourquoi me déranges-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ah, mon homme, tu aimes crier tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu es là. Mon mari, j'ai si faim. J'ai très faim, tu sais. J'ai pas mangé depuis le matin. Parce que Tinedou n'est pas encore rentré d'où il est parti. Tu as tellement faim? Oui. Ok, laisse-moi te trouver quelque chose à manger. Un instant, je vais te donner de la soupe. Quelque chose que à manger. Dieu te bénisse. Un instant. J'ai très faim. Je savais que tu devais me donner quelque chose. Je te donnerai quelque chose qui va te plaire. Mon Dieu va te bénir. Oui. Mon mari, tu sais tu que vas je aimer. T'aime beaucoup. M'as-tu versé de l'eau? La nourriture que tu veux manger, cette nourriture que tu veux, te conduira à ta mort. Cette nourriture te tuera. Oui, oui, elle te tuera. Non, parce que je t'ai demandé à manger. Tu me demandes à manger, espèce de sorcière. Simplement parce que je t'ai demandé à nourrir. M'as-tu donné le soin qu'on arrête pour cuisiner? Timo! Tu as faim. Timo! Tout ça, c'est parce que je t'ai demandé la nourriture. N'importe quoi. Tu veux me tuer? Tout ça, c'est parce que je t'ai demandé la nourriture. Laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît. Je ne laisse pas. Le chaud te poursuivra toute ta vie. Elle sera avec toi dans tes allées, tes retours. Je te maudis. Je crie à mon sauveur, il va te baigner. Monica, Dieu va te baigner. Monica, comment oses-tu? Comment s'ouvre ta misérable bouche pour me maudire? Moi, Mathieu. Sorcière, si tu dis encore un seul mot, alors je te baptiserai avec de l'eau chaude. Plus que celle-ci. Cette eau n'est même pas bien chaude. Il va te verser sorcière. L'eau sur ta tête. Souffle mon pied, s'il te plaît. Mon pied me fait mal. Tu es folle. Souffle, s'il te plaît. Qui va te faire de l'air? Je vois que tu es folle. Je vais saisir cette canne. Je verrai comment tu vas te relever. Mon Dieu va te punir. Tu es déjà puni. Tu es déjà puni. Il va te punir. Il va te punir. De la douleur, tu trouves la force de me maudire. Sorcière. Oh, Koukoum. Je prends cette canne. Comment? Je verrai comment tu vas te relever. Doucement, maman. Ta canne est bizarre. On s'exerce depuis le temps, tu devrais déjà être habitué. Tu marches très vite. Hein? Désolé, je veux juste que ce soit comme un exercice. Assieds-toi. Voilà. Désolé. Ah. Nedou. Oui, maman. Nedou, peux-tu me donner quelque chose à manger? J'ai très faim. J'ai vraiment faim. Maman, c'est ce que j'essayais de faire quand tu m'as appelé. Ok. Donc, laisse-moi aller continuer. Bébé. Maman. Maman, comment tu vas? J'ai l'air d'aller bien. Bébé, ça va? Bien, bien. Mon mari m'a versé de l'eau chaude sur mon pied. Simplement parce que je lui ai demandé de me donner un peu de nourriture. Attends, maman. Tu veux dire que c'est papa qui t'a versé cette eau chaude?
Papa t'a versé de l'eau chaude. Oui, simplement parce que je lui ai demandé de me donner un peu de nourriture qu'il est en train de faire. Il m'a versé de l'eau. Mon Dieu, Nedo, pardon, calme-toi. Hein? Tu connais les pressentiments que tu as eus récemment. Écoute, pardon, regarde, j'apporte à manger pour maman. Papa t'a versé cette eau. Lâche-moi. Mais où est-ce qu'il va, Nedo? T'inquiète, maman. Où est Nedo? Salut, mon soleil du matin. Bonjour, monsieur Zuyognibo. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Donc, tu connais mon nom? Qui ne vous connaît pas dans cette communauté? Mwane Tiromeya. Oh, c'est bien ça. Je suis si content qu'une jolie demoiselle comme toi connaisse mon nom. Tu sais quoi? Laisse-moi t'amener hors de ce soleil ardent. Et laisse-moi t'amener à un endroit esquis où des personnes spéciales comme toi méritent un traitement spécial. Allons-y. Volontiers, merci. Hey, voyons, allons-y. Bébé. Ouais. Merci. Ouais. Maman, laisse-moi te nourrir. Qu'est-ce que tu as préparé? Du riz, le riz jollof. T'inquiète, tu vas aimer. Juste les odeurs, je peux les sentir. Ouvre ta bouche. Ah. C'est très bon. C'est très bon, Edo. Maman. Goûte-tu, Laura. Donne un peu à Edo. Ok, je vais goûter. Le riz est si bon. C'est délicieux, c'est très délicieux. Mais... c'est trop bon. Ah! Que se passe-t-il? Maman, hein? Il voulait prendre ta viande, maman, malheureusement. C'est tombé pas à terre. Et tu as la viande? Oui, maman. Maman. Tu aimes? Et d'où? Oui, maman. Elle est. C'est très bon. Aussi, hein? Ah. Maman, celle-ci est tombée, ce n'est pas bien pour toi. Tu te plains du mal des yeux, mais tu veux en manger. Okay. C'est vraiment maman, bon. Elle est bonne. Mange ta nourriture. C'est vraiment bon. Hein? Je dis que c'est très bon. La viande qui est tombée, tu la manges comme un enfant. Ah, Amaka, mon bébé. Ah, mes baby. Le plus beau lever du soleil du matin. Je t'aime bien. Tu es toujours joyeuse. Merci. Mais où étais-tu passée depuis tout ce temps? Ah, je suis là. Vraiment? Oui, je suis là. Alors, amie, c'est quoi tes plans pour aujourd'hui? Je n'ai pas de plan pour aujourd'hui. Sauf si tu en as un pour moi. Oh! Crois-moi. Dans ce cas, tu vas rester avec moi pour toute la journée. Oui, laisse-moi te conduire dans les profondeurs des plaisirs de la vie. Que dis-tu de ça? Ça m'intéresse. J'aimerais bien. Oh, j'aimerais ouais, bien. Ça c'est bien. Ça c'est ami, mon bébé. Ouais, ne t'en fais pas. Très bientôt, on va apporter du bon poulet. Hein? Merci. J'ai passé la commande du poulet. J'espère que tu vas l'aimer. Merci, j'apprécie. La charmante, ami baby. Ah, je suis si content aujourd'hui. Tunedo, je voulais te parler. Qu'y a-t-il? De quoi veux-tu me parler?
Je suis désolé par rapport à la dernière fois. Je sais qu'on est parti du mauvais pied, mais... En fait, je veux dire que je suis fier de toi. La façon dont tu gères les choses... Si j'étais à ta place, j'aurais fait pire. Tu sais, ce qu'a fait ta sœur est totalement inhumain. Ça n'a pas de nom. Ignorer sa propre mère, un frère, c'est un nom pour moi. Je n'admets pas et je ne soutiendrai jamais ce genre de choses. Ok. Personne ne devrait faire ça. Ouais. Écoute, pour te prouver que je suis vraiment sérieux avec tout ça, j'ai arrêté toute relation avec elle. C'est vrai, je l'aime, mais mon frère, traiter sa mère de cette façon, c'est non pour moi. Aïe, Idike, maintenant je sais que tu es mature. Et j'adore ta façon de faire et je la respecte. Tu sais, j'avais déjà planifié ça, qu'on allait bagarrer. Sérieusement, c'est ce que j'avais prévu, que partout où on se croise, on se bat. Mais je n'avais pas espéré que tu... T'attendre à ce que je me batte? C'est seulement fou qui se fâche après un reproche. Et j'en suis pas un, certainement. Maintenant, je sais que ta façon de réfléchir est plus élevée que celle des habitants de ce village. Non, je te le dis, j'aime ça. Hein? Il n'y a pas de quoi, mon frère, c'est normal. C'est la vie normale. Ah, merci, merci beaucoup, merci. Il n'y a pas de quoi. Ah. Mais on reste amis, hein? Non, aucun souci. Non, sans souci, rien n'a changé. Hein? D'accord. Maintenant, nous sommes de bons amis. Ah, je vais... Tu sais que je suis... Oui, je reviens, je fais. Tu auras besoin d'un truc. Le lit de ma mère. Actuellement, on met son matelas, même le sol. Ah, donc il lui faut un lit. Tu sais où je suis, non? Dès que je nettoie deux ou trois chambres par là, je reviens prendre le lit. Pour qu'on puisse savoir où mettre le matelas. Tu trouveras quand tu viendras. J'aime ton travail. Merci. On y va, bébé. C'était pourquoi? Rappelle-toi que je t'ai dit que je ne pouvais pas honorer notre rendez-vous l'autre jour. Je t'ai dit que c'était à cause d'Amaka et de son petit ami. Oui, et alors? Eh bien, c'est rien. Il ne faisait que m'expliquer des choses. Allons-y. Il expliquait juste. Mais c'est un chouette type. Et il m'a l'air bien. Okay. Il m'a l'air bien. Qui es-tu? Et comment es-tu arrivée jusqu'ici? Je suis ta perte. Ta ruine. Je suis toujours avec toi. Car nos destins sont enchevêtrés sur cet arbre de la haine. Jésus. Maman, désolé. Maman, tu m'as effrayé. Hein? Tu m'as effrayé. Désolé, maman. Désolé, maman. Écoute, débrouille-toi avec ceci. Aïe, merci. Oh, je t'en prie. J'espère que je vais te revoir. Tu as vraiment agréé ma journée aujourd'hui. Tu sais maintenant où me trouver. Oh, c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Oui, toi aussi. Ok, ma chère. Madame, encore éveillée? Oui. Pourquoi? Je t'attendais. Tu m'attendais? Ah,
J'ai vu l'argent que tu viens de mettre dans ton soutien. J'attends ma part. Tu penses que je vais te donner cet argent? T'es une blagueuse. Oh, attends, parce que tu m'as donné une petite viande, plutôt une petite viande très petite. Maintenant, tu m'attends pour te donner cet argent. T'a-t-il touché comme il m'a touché? Il ne peut pas me courtiser. Oh, je suis une femme enceinte. Je sais exactement d'où vient cet argent. Si tu ne me donnes pas, je le dirai à sa femme. Hey, tu es méchante. J'allais bien sûr arrêter de le voir et tu sais pourquoi? Il est marié. Mais écoute, à cause de ta traîtrise, je vais continuer de le voir. Va dire à sa femme, fais-le donc. Je vais continuer de le voir. Ok, oh. N'importe quoi. D'accord. Espèce de traître. N'importe quoi. D'accord. Continue de le voir, oh. On verra comment tu vas le voir. Ok. Aïe, cette fille. Aïe. Aïe. Continue de le voir. On verra bien. Hey. Oh, oh. Je bénis. Je bénis la terre de nos ancêtres. Et je suis reconnaissant pour cette boisson. Je vous suis reconnaissant. Acceptez ceci. Voilà. Wawon kuchele, kuchele. Wawon kuchele, kuchele. Wawon kuchele, kuchele. Beru beru ru na na cha. Wawon kumwali, kumwali. Papa, bonne journée. Papa, Amaka est à l'intérieur. Papa, Amaka est là. Mademoiselle, c'est quoi ton problème? Non. As-tu? Écoute, ne sais-tu pas que un endroit où tu n'es pas le bienvenu. Tu n'as rien à faire là-bas. Attends, tu ne comprends même pas ce que je veux dire. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ne comprends-tu pas? Je ne sais pas. Qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît, n'écoute pas ce que racontent les perroquets. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, et qui oses-tu traiter de perroquet? Hé! N'ose même pas. N'ose même pas essayer. Quoi? Tu veux me porter main? N'essaye même pas. Ah, s'il te plaît, allons-y. Idiot, si un Amaka. Allons-y. Père Amaka. Inutile, ivrogne. Amaka. S'il te plaît. Comporte-toi. Hein? C'est arrivé à ce point? Ça sent vraiment à ce point? Amaka veut battre son propre père. On verra bien. Soit c'est moi qui t'ai fait, soit c'est quelqu'un d'autre. On verra. Non, mais tu t'imagines ça? Elle veut détruire ma journée, magnifique journée. Mais elle ose carrément lever la main sur moi. Sans aucune hésitation. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, non, mon gars, cocoli. Au moment, cocoli, cocoli. Au moment, silicone, silicone. Ça peut pas se passer comme ça. Laissez-moi profiter de ma vie, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dit-il que tu n'es pas la bienvenue chez nous? Amaka, j'ai déjà eu à te dire que je n'aime pas la façon dont tu parles à tes parents, particulièrement à ton père. C'est ton père, pas ton ennemi. Jane, ça, c'est ma vie. Et j'ai le droit d'aimer qui je veux. Tu m'entends? Mais c'est ton père et ta mère t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Ok, elle n'est pas juste quelqu'un. Elle est quelqu'un de spécial. Comme je l'ai dit, ça, c'est ma vie. Et j'ai le droit de la vivre comme je veux, sans que tu n'interfères. Et me dire qui aimer ou pas. Amaka, même si c'est ta vie, je vais toujours te corriger quand tu t'égares. Si je ne te corrige pas, Amaka, je suis une mauvaise amie. Merci. Madame bonne amie ou mauvaise, peu importe. Excuse-moi. Amaka, je t'ai prévenue. Et moi qui pensais pourtant te défendre. Amaka. Affronter mon père pour toi était là à me raconter des... S'il te plaît, laisse-moi tranquille.
mon amour. Prends ceci. Pourquoi faire? Je ne peux plus donner de l'argent à l'homme que j'aime. Je veux juste te donner de l'argent. Ok. Mon grand frère m'a donné un peu d'argent. Et j'ai voulu t'en donner un peu. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as vraiment su que j'en avais besoin. Ouais. J'en avais tellement besoin. Ça va aller. T'inquiète. Tout va s'arranger. Je suis très sûre de ça. Débrouille-toi juste avec ceci. Merci. Merci de toujours m'assister. Je t'en prie. Mais sinon, si tu ne m'avais pas dit où tu l'avais pris, je n'allais pas l'accepter. Parce que je n'aurais pas su comment tu fais. Arrête. Mais comme c'est ton frère, ça va. C'est bien. Mais c'est bon. Je vais te rembourser. Non, non. Ah, pourquoi dis-tu cela? Ne parle pas comme ça. Merci. Prends soin de toi, ok? D'accord. Je pense que je devrais... Père ivrogne, tu nettoies tes sandales. J'espère que ce n'est pas pour aller te saouler et revenir ivre. Parce que personne ne sera là. Ferme ta sale bouche avant que je te la ferme. Si j'entends encore un seul mot. La raison pour laquelle je te frappe avec cette canne, c'est à cause de ton tétard. Mais si je t'entends encore parler, je ferai ce qui m'enchante. Mais à qui a passé cet argent que je t'ai vu compter? À qui est cet argent? Quel argent? Quel argent? Je dis, à qui a passé l'argent que tu comptais? Tu me poses des questions. Cherches-tu ton argent? Je veux juste que ce ne soit pas le mien. Écoute, parce que si c'est mon argent, cette maison ne pourra pas nous contenir. Hé! As-tu de l'argent? Tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Ce que je vais te faire, tu n'apprécieras pas. As-tu de l'argent? Avant de parler de celui que je vais voler. Hein? Va t'asseoir. Ne t'enivre pas trop, parce que tu n'es pas sûr que ton fils sera dans les environs. Ne t'enivre pas trop. Parce que ton fils ne sera pas dans les environs cette fois-ci. J'espère juste que cet argent ne m'appartient pas. Parce que si c'est mon argent. Oh, Nyoma. Le prodige. C'est cet argent, le mien. J'espère que cet argent n'est pas le mien. Bonsoir. Bonsoir. Hypocrite. Que de mauvaises personnes autour de moi. Je comprends. C'est à part moi-même. Je ne comprends pas le type de personne avec qui je vis. Maman, le repas sera bientôt prêt. Chinedo, où est mon argent? Quoi? Onyoshi, où est mon argent? Où est mon argent? N'est-ce pas à toi que je parle? Où est mon argent? Oh, tu as volé mon argent pour faire à manger à ta stupide mère? Hein? Écoute, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour toutes tes injures. Tu n'as pas de temps. Ramène-moi cet argent, idiot.
Chinedu. Maman. Est-ce que tout va bien? Hein? Maman, regarde un truc qui était déjà prêt. Beuh, inutile. Avec des cornes vides. Tu ne sais pas combien j'ai souffert pour avoir cet argent. Pour aller cuisiner cette merde que vous voulez manger. Voyons donc comment vous la mangez. Oh. Tu appelles mon repas bêtise? Ah, Maka, tu sais où j'ai. Tu sais où j'ai cet argent stupide. Avec ces seins pliés, je vais te montrer aujourd'hui. Oui, Oluchi. Je veux que tu me dises la vérité. Je me rappelle que tu es la seule qui savait où j'ai gardé cet argent. Tu l'as volé. C'est toi qui l'as volé et pas Chinedu. Attends, ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne prendrais-je pas cet argent? Veux-tu que je laisse tout cet argent pour toi? Hein? T'es juste une criminelle, Imonyoshi. Et j'accusais plutôt Chine. Hey! Écoute, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu ferais mieux de le remettre là où tu l'as pris. Je regarde juste cette chose que tu portes. Je considère cet enfant. Pardon, va forniquer ta fornication. Laisse mon bébé tranquille. Stupide. Fornicatrice. Dieu, je sais que tu peux m'entendre. Pardonne-moi. Je suis une pécheresse. Si je dis n'avoir pas menti contre toi, je serai une menteuse. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu as dit demander et l'on vous donnera. Il y a tellement de problèmes dans ma maison. Tellement de haine. Tellement de peine. S'il te plaît, pardonne-moi et ramène la paix dans ma maison. Ramène la joie dans ma maison, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je suis désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi, pardonne-moi. Je sais que tu m'as entendu, pardonne-moi. Pardonne-moi, je sais que tu m'as entendu. Qui est là? Qui est là? Je peux ressentir ta présence ici. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Parle! Parle! Tu te rends compte? Tu te rends compte? De méchantes personnes partout autour de moi. Que de mauvaises personnes.
Regarde, ça n'arrive à ma boisson. Dépendez de mauvaises personnes. Monica, c'est sûrement soit Monica, soit Chinedu. J'aurais tout vu dans cette maison. Que de mauvaises personnes autour de moi. Des sorciers partout autour de moi. Hélène, c'est quoi ton problème? Pourquoi ouvres-tu mon portail de cette manière? C'est quoi ton problème? Je te pose la question et tu l'as à me regarder. Est-ce que tu es poursuivi? Ou quelqu'un sur le point de mourir? C'est ta fille Amaka qui va bientôt mourir. Ta fille Amaka va bientôt mourir si tu ne lui demandes pas de laisser mon mari tranquille. Si à ta fille de laisser mon mari tranquille, sinon, c'est la mort qui va l'emporter. C'est ta génération et toi qui serais emportée par la mort. Écoute, Hélène, ta génération et toi seront emportées par la mort, tu m'entends? Tu as l'audace d'entrer dans ma concession et c'est quoi mon portail? De cette façon? Te placer devant moi pour tourner tout autour comme une mascarade, confuse. Tu n'es qu'une femme stupide. Moi? Oui, je dis que tu es stupide. Tu es une personne inutile. Hein? Si tu n'étais pas stupide, tu serais resté sur ton époux. Pour mieux le contrôler, tu n'aurais pas permis à qui que ce soit de s'approcher de lui. Moi, tu es une femme, femme inutile. Oui, c'est ce qui que tu es. Qui est femme inutile? Tu me crains de femme inutile? Tu m'appelles, moi, Hélène, femme inutile, parce que je suis venue me plaindre chez toi. C'est pourquoi tu me crains de femme inutile. Pas de problème. Pas de problème. Sans souci, quand cette guerre que ta fille a organisée va s'achever, on verra donc qui est inutile. On verra donc qui est inutile. Regardez-moi ça. Tu l'encourages. Tu l'encourages. Sans problème. Sans problème. Allez, dégage d'ici. Pas de problème. Tu ne pourras rien faire. Tu penses vraiment pouvoir me menacer? Ça, je te le dis. Il n'y a rien que tu puisses faire. Sans problème. À ma sœur, quelqu'un ne soit capable de te le rendre 10 fois. C'est quoi son problème? Elle ose venir se comparer à ma fille. Dégage avec ton vieux corps. Ouais, donc, kubori. Arrête de me tourmenter, je traverse trop de problèmes en ce moment. Arrête de me tourmenter. Pourquoi est-ce que tu ne me tues pas? Tue-moi et que je meurs. Tue-moi et que je me repose. Je suis fatiguée, tue-moi. Arrête de me tourmenter, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ferme-la. J'ai dit ferme-la. Hein? Je parle de cet être stupide et inutile qui vient de s'en aller. Maintenant, c'est ton tour. Je ne m'adressais pas à toi. À qui demandes-tu de ne pas te tuer? Tu penses que je ne t'ai pas entendu? Ne dis pas ça. Je ne m'adressais pas à toi. Monica, maintenant, je suis devenu fou. Écoute, si tu es prête à mourir, ne compte pas sur moi pour te tuer. Va à l'intérieur et fais ça toi-même. Écoute-moi très bien. Ne m'implique pas dans tes choses occultes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne m'adressais pas à toi. J'ai dit la ferme. Si tu ne la fermes pas, alors je vais t'aider à la fermer. Si tu ne la fermes pas, je t'aiderai à la fermer. Tout ce que tu sais faire, c'est de vociférer. J'ai dit la ferme. N'importe quoi. Permets-moi de boire mon whisky, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre-la encore et tu verras. Que des énigmes partout. Ouvre encore ta bouche et tu verras. De la façon que je respecte la façon dont tu as géré les excès de ma copine, je ne vais pas sortir avec toi. C'est comme si je trahissais ma meilleure amie. La trahie? Mais non, non. C'est elle qui s'est trahie ici. Et tu le sais. Tu le sais. Ediki, tu lui as dit une fois que tu l'aimais. Et pour moi, c'est plus que suffisant pour refuser tes avances. Jane, j'ai besoin d'une femme comme toi. Une femme avec de grandes vertus.
S'il te plaît, ne me repousse pas. Je t'en prie. Je suis désolée, Dike. Je ne peux pas faire ça. Attends, Amaka, 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 tu peux me dire ce que tu fais avec le mari d'Hélène, jeune fille? Et n'est-ce pas à toi que je m'adresse, Amaka? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu? Oh, je te pose une question et tu me... Je te le redemande, dis-moi ce que tu fais avec le mari d'autrui. Parce que Hélène est venue ici m'énonçant qu'elle allait te tuer. Si jamais tu ne laisses pas son époux tranquille, elle n'a pas les oreilles plus longues que ton nez. Elle est si petite pour me faire quelque chose. Et toi, papa, arrête d'aboyer comme un chien enragé, juste comme elle. Arrête de crier. Hé, 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 tu la fermes. Tu vas la fermer, stupide femme. Voleuse de mari. Je t'aurais prévenu. Et je ne sais même pas entre toi et elle qui est le plus responsable. Je pense que c'est moi. Je m'en fous. Tiens, c'est pour la nourriture que j'ai versée hier. Je suis désolée, c'est Oluchi qui l'avait volé. Je sais que ça ne peut pas compenser. S'il te plaît, prends-le, je suis désolée. Alors c'est Oluchi qui a volé l'argent? L'idiote a avoué qu'elle avait volé. Je suis désolée. Désolée pour toi-même. Je suis désolée. Désolée pour toi-même. Tu me donnes juste 1000 naira. Tu devrais me donner quelque chose comme 1500 pour le stress. Hein? Une nourriture qu'on pouvait tous manger. Tu as tout versé par terre. Tu l'as versé et maintenant tu me donnes juste 1000 naira. Connais-tu le stress par lequel je suis passé juste pour arranger le feu? Je vais juste me débrouiller. Ce n'est pas comme si je suis fier que tu m'aies donné 1000 naira. Qu'est-ce que je vais bien faire? Quand quelqu'un, c'est comme ça quand un homme est pauvre. Va me demander. Dans une autre vie, on te dira que je suis riche. Mon fils, ton cœur est vraiment lourd. Pas seulement de colère, mais aussi avec les soucis de famille. Père, pas seulement de colère, mais aussi de haine. La haine. Père, par moments, j'ai juste envie de détester quelqu'un. Je vous assure. C'est d'accord. Permets-moi de te poser une question. Est-ce que tu connais qui est Dieu? Oui. Je sais qui est Dieu. Qui est-il? Il est le créateur du ciel et de la terre. Tu as dit vrai. Tu vois, mais Dieu a cette qualité qui m'impressionne vraiment. La Bible dit cette chose dans le livre de Genèse chapitre 1. À son premier verset. Je vais le lire pour toi. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface. Maintenant, si tu le regardes très bien, quand Dieu a créé les cieux et la terre ne pouvait rien produire sans le consentement de Dieu. Mais elle devait produire. Alors Dieu a fait ceci. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et ensuite Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » C'est de cette manière que Dieu a créé tout l'univers et tout ce que la terre contient, y compris toi et moi. Et après cela, Dieu ensuite a fait un cadeau à l'homme.
dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 5 et au verset 12, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Mais Chinedu, si tu peux le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur, je peux t'assurer qu'il te donnera la paix du cœur. Tu vois, frère Chinedu, dans le livre de Joël, au chapitre 1, au verset 12 à 13, il nous fait comprendre que la colère est le joug de la destruction. Mais Jésus offre un joug plus lumineux. Il est dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, au verset 30, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu t'appelle à avoir la paix du cœur. Il dit, venez et recevez la santé et les finances. 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. Bien-aimé, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi prospère que l'état de ton âme. Mon fils, la vraie prospérité et la paix du cœur viennent uniquement de Dieu. Mon amour, hein? Je vois que tu lis la Bible. Oh oui, je suis en train de lire la Bible. Tu sais, c'est bien de connaître la parole de Dieu. Et c'est bien de lire et de comprendre la Bible. Donc, dis-moi, quel passage de la Bible lis-tu pour te rejoindre? Tu veux me rejoindre? Actuellement, j'essaye de comprendre ce passage en particulier. Jean 3, 16 jusqu'à 17. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit et espère en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique sur la terre pour condamner le monde, mais pour que le monde espère en lui. Le monde peut être sauvé et sera sauvé. Donc, je livrerai mon ligne par ligne pour comprendre. Pas juste pour lire. Je pense que je comprends cette partie de la Bible. Oui, parce que ce qui... Ami, baby! Tu es un tout petit sucre. Homme sans honte! Alors, c'est ce que tu fais, hein? C'est ce que tu viens faire ici. Qu'est-ce que tu vas te taire? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu penses que je ne le sais connaître pas. Connaître quoi? Tu penses que je ne le savoir sais quoi? Oh, tu souris, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Très bientôt, ce sourire se transformera en larmes. Hein? Ne t'inquiète pas. Tu vas bientôt pleurer. Hein? Tu vas bientôt pleurer. Allez, dégage d'ici. Dégage d'ici. Bébé, allez, arrête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ami, baby, c'est bon. Allons-y. Laisse-moi l'ouvrir pour toi. Ouais. Entre. Fais pas attention à elle, c'est une idiote. Maman, j'en ai marre. Je suis fatigué de la façon dont nous vivons dans cette famille. Je le suis. Maman, on ne peut pas vivre comme ça. Se détester mutuellement sans aucune raison. Maman, ça, j'ai trouvé ceci dans la Bible. Okay. Genèse, versets 27 à 40. Il est écrit. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et sauve ton frère.
Et si tu es vraiment le fils de Dieu, comme tu le prétends, alors descends de la croix et sauve-toi. Maman, je veux briser cette haine. Je veux prendre le dessus sur tout ce qui dérange cette famille. Amen. Maman, la Bible nous apprend que la seule façon de préserver notre famille est de prier tous les jours. Voilà ce que la Bible nous a appris. Donc, maman, peu importe la haine qui domine cette famille, nous devons la briser. Amen. Nous devons prendre le dessus sur elle. Maman, on doit prier pour notre famille. Voilà ce que la Bible nous demande. Que peu importe le problème auquel tu fais face, le seul moyen que nous avons, c'est la prière. Donc, maman, joins tes mains et prions. Commençons. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Amen. Jésus. Amen. Père éternel, nous te prions de venir prendre le contrôle de cette famille. Roche maratatatatata matataratataseya. Chebi ramamama. Merci. C'est un plaisir, ma chérie. Ah, s'il te plaît, mon si beau rayon de soleil. Hein? Surtout, ne t'en fais pas à propos de ce que Hélène a dit, d'accord? Elle ne le pensait pas, d'accord? Ça suffit, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ah, ça c'est bien, c'est très bien de ta part. Donc, je vais partir maintenant. Ok. C'est d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, ma chère. Une accolade. Merci. Ok, je vais partir. C'est qui cet homme? Qu'est-ce que tu veux? C'est qui cet homme? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne seras pas sauvé de mes tourments. Comme tu aimes la méchanceté et le mal. Comme tu aimes la méchanceté et le mal, ils seront donc tes fardeaux à vie. Ha! Non! 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 Encore ce rêve. Qui est-ce? Qui est cette fille? Pourquoi apparaît-elle toujours dans mes rêves? Oh, Dieu! Dieu! Dieu, s'il te plaît, sauve-moi! Ah, sauve-moi! S'il te plaît! Amaka, je sais que j'étais blessé, oui. Mais je te veux de nouveau. Tu me veux de nouveau? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est encore possible? Parce que je t'aime. Je t'aime et tu m'aimes aussi. C'est la raison pour laquelle... Ejike, tu as eu l'opportunité, mais tu l'as perdue. Tu m'as regardé dans les yeux et m'as dit, je ne veux plus jamais te voir. Donc... Moi, je ne veux plus jamais te voir. J'ai passé à autre chose. T'es passé à autre chose. T'es passé à autre chose avec ce vieux. Un vieil homme marié qui pourrait être ton propre père. C'est avec ça que t'es passé à autre chose. À ce que je sache, c'est ma vie et pas la tienne. Donc, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Écoute-moi, j'essaie d'être gentil. Mais je vais te le dire catégoriquement, si tu n'es pas moi, alors tu ne seras à personne d'autre dans ce village. Personne. Tu ne seras avec personne d'autre. Je te parle, tu ris. Tu ris, n'est-ce pas? On verra bien qui rira en dernier. On verra qui rira en dernier quand j'aurai terminé avec toi. Si je peux pas t'avoir dans ce village, alors personne d'autre ne t'aura. Oh, s'il te plaît, va-t'en loin de chez moi. Isolez-les-moi, chi. Tu perds rien pour attendre. Personne ne pourra t'avoir si je ne t'ai pas dans ce village.
Ouais. Tu peux croire que Amaka m'a laissé pour moi et beau. C'est un vieil homme qui est assez vieux pour être son père. Écoute, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. Elle ne peut pas me faire ça. C'est très humiliant. Avec un vieil homme. Un vieillard. Écoute, je la veux de nouveau. Ezike, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est-à-dire? Tu es confus. Tu es très, très confus. Cette fille a fait une petite erreur et boum, tu l'as jetée. Tu es venu me supplier pour t'accepter. Et quand j'ai refusé, tu es retourné vers elle. Elle a refait sa vie. Et après, tu reviens là. Si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Ok, d'accord, très bien. J'ai réalisé que j'ai fait une erreur. Et c'est pourquoi je suis revenu. Il y a une partie de moi qui l'aime toujours. C'est pourquoi je suis revenu. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Alors, tu dois la reconquérir et arrête de l'embêter. C'est pourquoi elle est allée vers ce vieux. Elle préfère un vieux par rapport à moi. Chinedo, tu m'as dit que tu as fait des questions que tu voulais que je te réponde. De quoi s'agit-il? Maman, je veux que tu me dises la vérité et rien que la vérité. Ok. Quelles sont ces questions? Madame? Oui? Je suis le révérend père Chibuzor. Ah. S'il vous plaît, j'aimerais que vous vous ouvriez à nous. Et que vous nous disiez la vérité. Qui est-ce que vous avez offensé tellement dans cette vie? Je veux dire, pensez à quiconque vous avez offensé qui ne peut souhaiter rien d'autre que le mal à chaque fois que cette personne pense à vous. Qui j'ai offensé? Oui. Ah, ah. Je ne me rappelle de personne que j'ai pu offenser, qui me souhaiterait du mal. Mon père, je ne m'en souviens pas. Tu vois, pendant que j'étais en train de méditer et de prier, okay. Le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a dit de te demander ceci. Qui est Tochi? Et que s'est-il passé entre vous deux? Père, je la connais. Tochi était ma nièce. Ok. Madame, s'il vous plaît, que s'est-il passé entre vous deux? Maman. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma chère. Comment tu vas? Je vais bien, mon oncle. Je peux voir que tu balais. Oui, mon oncle. C'est bien. Merci, tonton. Tu peux continuer. Saroloti, J'aimerais te parler de quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, je n'aime pas la façon dont tonton me regarde ces jours-ci.
Et je pense qu'il veut tenter quelque chose. Hein? Hein? Attends. Qu'as-tu dit? Que mon père te convoite au regard pour coucher avec toi? Tu vois une sale chose? Ma tante, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tante, ce n'est pas ça. T'inquiète pas. Ma mère doit entendre ça. Parce que non. Ça, c'est toi. Tante, c'est moi. Maman! Calme-toi. Non, tonton, ne fais pas ça. Tu vas les réveiller. Ils dorment tous. S'il te plaît, mon oncle. Tu vas aimer. J'en suis sûre. Tu vas aimer. Non, mon oncle, je ne veux pas. Ne pas. Arrête ça. Tu vas aimer, hein. Arrête, mon oncle. Arrête. Tu vas aimer. Arrête. Allez, attends. Arrête ça. C'est quoi ton problème? Je ne veux pas. Non. La situation de Chinedu m'inquiète vraiment beaucoup. Et pensez qu'il y a quelque chose que nous puissions faire pour améliorer sa situation, afin qu'il soit heureux et qu'il réussisse comme ses amis. Honnêtement, je suis fatiguée. Le fait que Chinedu reste à la maison sans rien faire me dérange beaucoup. Je ne sais plus vraiment quoi penser. Mais tu es le chef de la maison et je promets que toute décision que tu vas prendre, je vais la respecter. Ah oui, c'est vrai, je suis la tête de la famille. Mais tu vois, tu as le cou. Et le cou soutient la tête. Et tu sais que la tête suit la direction que lui donne le cou. Écoute, permets-moi de faire une suggestion. Ce terrain en vente dont je t'ai parlé, il y a un acheteur qui est intéressé. Vraiment? Oui. Et je pense que si l'acheteur vient et paye, tu vois, une fois que j'ai l'argent en main, nous pourrons alors le remettre à Chinedu pour qu'il commence la démarche de ses papiers, tout ce qui va avec, pour qu'il puisse voyager comme ses autres amis. Qu'en penses-tu? Je vois que c'est une très bonne idée. Si Chinedu la comprend, bien sûr. Ok, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, Tata. As-tu une forte fièvre? Non, pas du tout. Quand as-tu vu tes dernières règles la dernière fois? La dernière. La dernière. Ah. Es-tu enceinte? Non. Je ne suis pas enceinte. Alors, pourquoi est-ce que tu vomis? Je ne sais pas pourquoi je vomis. Es-tu vraiment que tu es enceinte? Oui, Tata, je ne sais pas. Et la dernière fois que tu as vu tes règles, la dernière oui, fois... Oui, Tata, je ne sais vraiment pas. La dernière alors, fois que tu es enceinte? Je ne sais pas. Ok, va m'attendre à l'intérieur, je t'amène quelque part. Et arrête de vomir, hein? D'accord.
Tochi. Maman. Viens. Tochi. Maman. Tu m'as appelée? Oui, assieds-toi, assieds-toi. Ce ne serait pas très bon que les gens entendent que mon époux t'a enceinté. Hein? Les jeunes filles vont se moquer de toi. Et je ne veux pas que, quand tu seras en train de marcher en route, on te pointe du doigt en disant que cette fille, regardez-la, c'est le mari de sa grande sœur qui l'a enceinté. Tu es encore jeune, je veux que tu te maries et que tu aies des enfants. Hein? Je veux te protéger de toutes les hantes. C'est pour cette raison que j'ai acheté ce truc. Ce truc-ci, quand tu vas le boire, ça va enlever cette grossesse. Et cette boisson est sans douleur. Donc tu vas boire, tu bois tout, hein? Ça va juste te faire dormir. Bois. Bois, c'est bon. Bois tout ça. Fini. Très bien. Couche-toi là, ok? Vas-y, dors. Tochi vous a maudit. Une malédiction? Oui. Cette malédiction est la raison pour laquelle il n'y a pas un semblant de paix. Dans votre famille. Votre aveuglement. Votre mari et vos enfants qui vous détestent. Et la grossesse de votre fille qui a dépassé le terme. Mon père. Tout ça, c'est le résultat de cette malédiction. Ah. Hey, mon père. Mon père. Tinedu. Père. Oui. Je sais que j'ai péché contre Dieu. Et contre l'humanité. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Madame. C'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ qui peut vous aider. Du moment où vous êtes prête à l'accepter et à donner votre vie à Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, il fera quelque chose. Tinedu.
Maman, je t'écoute. Chinedu. Maman. Maman, je suis là. Mon père. Oui. Père, Chinedu. Maman. Père, j'accepte. Oh, Dieu. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. Merci, père. Seigneur. Alors, nous allons prier. OK. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. En ce moment, pour la gloire de Dieu, nous allons nous dresser contre cette malédiction. Nous allons nous dresser contre tout ce qui s'est dressé contre cette famille. Amen. 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 Nous allons faire des déclarations et elles vont toutes s'accomplir. Amen. Et quand je parle, j'aimerais que vous repreniez après moi. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur Jésus. Comme je le déclare, toute malédiction, tout échec, toute parole négative, de tout homme, de toute personne, de toute femme, de toute jeune fille, de toute vieille femme, contre cette famille qui agit contre moi, appelle-toi par ton nom. Toute malédiction qui agit contre mon nom, toute malédiction qui agit contre moi, Chinedu. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, qu'elle est brisée. Qu'elle est brisée maintenant. Qu'elle est brisée. Qu'elle a été détruite en ce moment. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme je suis en train de parler. En ce moment même. En ce moment même. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis libre. Je suis libéré. De toute malédiction. De toute malédiction. De tout échec. De tout décret. De toute parole négative. De toute parole négative. Venant de tout homme. De tout homme. Venant de toute femme. Ou de toute venant de tout garçon, de tout jeune homme, garçon, venant de toute fille, fille qui marchait contre moi, qui et aussi contre nous, et contre nous, ma famille. Nous sommes libérés. Je prie contre tout ça, mais je parle contre maintenant sur des sujets de prière. Ouvrez vos bouches et commencez à prier maintenant. Ouvrez vos bouches et commencez à prier tout de suite. Je vous sanctifie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je sanctifie aussi toute cette confession. Je sanctifie partout et que le feu de Dieu je t'appelle, ô Seigneur, viens libérer ma famille. Il est vraiment bon. Oui, mon Père, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, tu es mon Père. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Je peux ressentir ta présence. Dorothy, je sais que tu es là. Je t'ai pardonné. La malédiction a été levée. Maintenant, tu peux voir de tes yeux. Oh. Dorothy, où est-ce que tu es? Dorothy, merci beaucoup. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher, Dorothy. Oh, Chinedu. Chinedu. Papa. Viens avec le repas, mais qu'est-ce qui te retient? Papa, j'arrive. Dépêche-toi. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Chinedu! Papa! Mais où est le repas? Ça va? Ça va? Hein?
Mon épouse, est-ce que ça va? Ne. Tout va bien? Mon époux. Hein? Hey, je peux voir. Je hein? peux voir. Maman, je peux voir. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.